semaine que nous rafraîchis et mémoire tout auditeur, tout auditrice et mettez invité au tout qui le plus souvent en route a venu mettez au parfum de tout ça que nous avons gagné pour nous discuter pendant l'émission si là. C'est ça, nous relais et t'as capable dit et compte rendu, résumé et synthèse de l'actualité que nous fait chaque matin en début de programme pendant que nous saluons amis de par le monde qui pas jamais raté rendez-vous ça qui gagne qui prend ni non seulement le samedi mais au prend avec la reprise là le dimanche soir tout. Grâce avec nos collaborateurs René Antoine Lerbour et Fanor Kabé, mais pour la mise en onde, c'est toujours Lovensky jeudi et puis toute équipe photographe là, c'est vraiment toute ton équipe qui travaille dans la cuisine ramassée pour porter pour émission Choc ça. Chaque samedi la caillou, sans nous pas oublier évidemment. La triestation de par le monde et qui relayait le sac en province dans les coins les plus reculés du territoire et ça qui n'en diaspora, ça qui sur internet, mais ça tout carrément relayé à travers radio. Vraiment, y ont salut cordial pour nous. Salut cordial pour nous, nous saluons Radio Excelsior dans Saint-Michel de la Talaye qui relaye nous pour les dîmes que l'Ipajam est toujours est là, il est toujours là même si il y a des fois le patadine. Alors vraiment, et salutations à nos toutes stations Sayo qui fait route là ensemble avec nous. Voilà, c'est Radio Transparence nan Sodo, Radio Télévision Acajou, la Skaoba, c'est Radio Liberté nan Limbé, Maximum FM nan Boston, Radio Concorde Boston, Radio de la Communauté La Chapelloise, la Tibonite, la Chapelle, Radio La Voix du Seigneur, Jérémy, Radio Kina, Aquin, Radio Tête Ensemble, Fort Myers, 92.9, 105.5. Radio Voix Mercier Hippolyte, Radio Symbole 99.1 en Cavaillon, Radio Télé Rossignol, Cerca Cavaillon, Radio Télé Aurore, Petite Rivière de l'Artibonite, Radio L'Union en Saint-Marc, Radio Miroir Inter Boucancarré, Radio Repos Boucancarré, Tweet FM Jacmel, Maguana en Nord-Est, Radio Classe FM Brockton, Massachusetts, nous saluer si la yo kap tanvin tout à travers Radio Télé Nativité 101.7. Mon bien crochu, nous saluer si la yo kap tanvin tout à travers Radio Métro Saint-Michel de la Talaye dans 104.5, Radio Peredo Inter, Peredo Marigo, Radio Joams FM, Las Caobas, Radio et Rêve 2000 et Montréal, voilà. Radio Rêve 2000 et Montréal, Radio Télé Gamax Live, et nous saluons nos Rêves 2000 Bassin Bleu, Télé Gamax Live Montréal, Constellation Belader, Marmelade Inter, Marmelade, Radio Villa de Castor, RVC, Jongdodin Aquin, Radio Bruno, 88.3 Belance, Radio Bonzinzin, North Miami Beach, Florida, Radio Fraternité, n'a pas au salut, nous saluons Radio Génération 80, 88.9 Port de Paix, Radio Haïti News, New York, Marmelade, Radio Victoire FM, 101.3, troisième section, commune Macari, Radio Compact, en sapitre, CND, Jérémy, Belance, qui gagne, alors m'a dit, dans Grandance, qui gagne,
à inondation, même j'en sa passé au Cap tout, malheureusement. Radio Mélie, Jérémy Terra, Jérémy La Prophétie, Beaumont, Graffa, nous saluons, Radio Dame Marie, Radio Télé 1804 Haïti.com, New York City, Zaminon, Don Rocher, Radio La Tibonite Saint-Marc, Dani Groumon, Rayon, Marchand des Salines, Feeling, Limbé, Ozone 2000, Verrette, Radio Antibonite International, New Jersey, Radio Tropical Inter, Cap Haïtien, Fantastique pour Mago, Radio Famille Inter, Petite Rivière de l'Antibonite, Radio Télécampèche, Las Caobas, Wana Vision, Wana Met, Radio Mosaïque, Guyane Française, Radio Préférence, Petit Guave, Radio Voix Communauté de la Communauté Haïtienne, Brenton, Florida. Radio Levé Campé, Hench, New Jersey, Fraternité pour Salut. Radio Planète Cap Haïtien, Radio Francique FM, dans New Jersey. Radio Pyramide Inter, Long Island. Radio Avancement FM, Saint-Raphaël. Family League Mix. Radio Mix Family Akin, Flambeau Intercontinental. Quatrième section, Savannah Roche, Petite Rivière de l'Antibonite. Radio Antibonite International, New Jersey. Radio Passion, 98.5 mi en balai. Radio Vesta, Bombardopolis, Fantastique, Port Mago. Radio Tropical Inter, Cap Haïtien. Radio Télévision, RCH 23, Miami. Radio Télé Delta, non, c'est marrant. Radio Réalité FM, Antibonite, Radio Téléaudien, Jacksonville, Florida, Radio Plaisipam, North Miami, Radio Télé UBS, Saint-Louis du Sud, Radio Pipiri, Tansdeno, Radio et Cher FM, Saint-Raphaël, Jean-Rabel, Phoenix, Mianbalet, RKB, Belance, Radio Aizan, Tiot, Galaxy, Pampano Beach, Plymouth FM, Dichiti, Horizon 2000, de Latrier, Radio Sayo, Bruno Belance, j'en te dis le télé, Radio Télévision, Excelsior, Saint-Michel de la Tala, et nous saluer vraiment Latrier Station Sayo, qui fait route la veine. Chaque samedi, nous disons, non, son plaisir pour Naveo, ni ça que nous pas saluer tout parce que nous pas prendre tout chaque samedi nous prenons qualité, nous prenons l'autre samedi. Alors vraiment comprendre que pas bien assez de temps pour nous citer toute radio qui ensemble avec cap fait route ça ensemble. Alors l'actualité de la semaine est dominée par la dernière décision surprenante de la justice haïtienne, vraiment en surprise, on ne s'y attendait pas, puisque en pile, ça fait nous dire nous pas attendre nous à décision justice côté hier sous ordonnance et sous ordonnance cabinet d'instruction. Eh ben, juge de paix et de Cité Soleil, Alphémin, et deux centrales, Vareux 1 et Vareux 2, qui ont dit qu'ils tournaient dans possession l'État haïtien. Pour qui ça nous dit décision surprenante? C'est parce que, nous gagnons en pile citoyens là, qui n'a prison depuis combien de temps, et en pile, c'est carrément prisonnier politique, qui pas même qu'à passer devant juge, parce que les tribunaux, yo pratiquement en grève, tribunaux fermés. Mais la justice haïtienne, justice paysan, quand il s'agit de météo esclave Jovenel Moïse, yo pas gagné, yo pas fait, et à la va vite. Parce que ordonnance n'a pas l'air, son ordonnance qui prend même jour hier, qui vient en exécuter, où on est, et cabinet d'instruction pas travail vite, mais quand il s'agit de prendre décision pour plaire au chef Jovenel Moïse, eh ben, c'est rapide au presto, une ordonnance qui n'a même pas été signifiée aux avocats de Sogener, ni à eux-mêmes non plus. Donc, c'est même Jacques, tout le monde et Sogener et ses avocats apprennent que
gain décision gagnien et juge de paix de Cité Soleil qui gagnait tout technicien EDH en Samarel dans opération Sila qui fait nous penser à période noire de la dictature côté la justice haïtienne mettait la genou devant le chef pour exécuter ses quatre bonnes volontés. C'est ça, nous, ouais, la décision, si là. Naturellement, nous pas rentrer dans le fond de la question pour qu'on ait un sogénère et l'État, etc. Mais sur la forme, tout le monde cap assister, y a gardé rapidité, marché pressé. Pas oublier, parquet de Port-au-Prince, c'est avant-hier, ils font invitation pour, sogénère, avocat, yo, signifié, et parquet, que au pape là. Et le lendemain, et ordonnance rend, décision prend, yogental fait etc. Tout le monde comprend, c'est des décisions qui gagnent en pile. Représailles politiques, et les difficiles dans le pays d'Haïti, et pour fonctionner, là, par des monde qui compte et qui limite l'autorité, et la justice lui-même tout. Li décide servilement pour le servir en série de monde. Par exemple, dans le dossier ça, moi pense, Jovenel Moïse pas même besoin d'avocat. Avocat, yo, bah, est facile pour yo, parce que la justice a tout agi, même si pas de avocat, yo, j'en mouer. Et ma pensée à quelques amis, et cap défendre le dossier ça, pour pouvoir, avocat, de vrais amis, que n'a toujours gagné un bon rapport avec yo. M'songez pour diable, nèk sa yo kon gen des décisions de justice yo vin plein qui pas même ka appliquer côté la justice prononcé en faveur oui pas même ka appliquer mais journée jodi a et moi content pour yo ba la facile yo va gen trop effort pour yo faire parce que c'est des dossiers qui te gen tan traité depuis résolution te prend en conseil des ministres et pas oublier résolution ça prend en conseil des ministres là qui moun ka présider conseil de gouvernement, etc., c'est Jean-Michel Lapin, et nous connaît depuis qui le mandat citoyen ça a fini, donc c'est, moi-même, pour moi, je pense que c'est l'oreille de l'anarchie, et c'est clair que ça a passé là, c'est pas comme ça que le doit passer, nous connaît dans la société moderne. On contre fait, gain litige, c'est certain, il parle devant la justice. Et mon justice qui est vraiment indépendante aux yeux bandés, pas en justice qui est au service d'un pouvoir et pour une décision. C'est vrai, il y a des monde qui rient de ça, etc. Mais comprendre tout que Outaka gain, fruit de plusieurs années de travail, et puis qui était, qui ont bon matin, on pouvoir par un méforme tout certainement contrario écoute moi toujours dit dans toute émission ça pas veut dire que contrario bien fait ou bien que et l'état haïtien pas perdu là-dedans certainement mais non société démocratique nous connaît comment ça pour fait c'est pas imaginons que avocat dit même référé il pas veut ba yo donc ça veut dire son bagage son qui était déjà tracé et nous t'ai songé yon tweet qu'on conseillait un homme puissant dans pouvoir t'es déjà fait côté le dit c'est nationaliser pour nationaliser donc tout bien sogénère pour bay pays à courant donc nous t'es déjà senti que la justice t'est pral suivre ou ça que terrain politique là t'es déjà tracé voilà. Alors, comprendre que nous pas entrons dans le dossier, nous pas connaît contrario, mais n'ap songe dans la question ça. Le président Jovenel Moïse t'a dit que, regardez, moun kap van blackout, etc., t'a plein de ça. Et il t'a rencontré des sénateurs de la République, yo même qui t'es d'accord avec elle, yo dit, yo pral ouais comment yo ka renégocier contrat ça, yo fait toute rencontre possible. Yo rencontré sogénère y power tout nèg yo tout moun yo net et retrack tout moun qui concerné par contrat ça yo pour yo font travail très sérieux avec des techniciens yo remettre président côté yo montré que il était pral gain et il pral faire l'argent il pas besoin al fait prêt pour programme électricité 24/24 liya.
président te mette ça dans tiroir parce qu'il pas besoin de vrai, il pas aucun instrument politique. Mais c'est à partir du moment gain li senti ou a dit gain là gain deux monde dans ça yo qui pas en faveur, qui pas dans position pâle. Et puis qu'on y a li fait une opération gros pointe pour les déposséder de monde qui travaille depuis combien de temps naturellement et comme avocat yo remendil rey sa yo rey de l'impunité et la défaite du droit est toujours provisoire. En tout cas, avocat yo annoncé dès lundi qu'il va le faire évidemment un recours en cassation et espérer que cassation pas pral gagner marée dans pied chaise palais national la prend décision que la loi mandel pour le prend. C'est ça la loi mandel prend, c'est lui la fait dans cas dossier ça qui carrément Jovenel te traité et puis l'état haïtien te gagner mais Jean le parti avec là lui carrément montrer son dossier politique que l'a traité. Voilà, c'est tout ça te cap gagner pour nous dire sous décision, la justice prend vite et pressé. Et ça qui est étonnant dans l'histoire, gagné un rapport cour des comptes sorti depuis combien de temps, mes amis? Li ciblé un bon monde dans dilapidation 4.2 milliards de dollars. Rapport ça flané, yo fait rétractation avec eux. La justice tande, n'ta kap di moun andan rapport sa ki gen plus l'argent ki ga kote sou administration nèg la reparti de men en poche la le fait route li massacre ap fait à droite à gauche nan peyi a Kafoufeuille, la Saline, Bel Air ki continue parce que c'est chaque soir moun Bel Air c'est abdomi sous les feux croisés des bandits conduits par un citoyen qui a dit qu'il a la solde de pouvoir, la justice pas existé pour yo. Est-ce qu'on comprend? La justice pas existé. Yo pas qu'à arrêter, yo pas qu'à faire qu'un bagaille. La mort repartit demain en poche li après le fin passé devant juge, alors que yo dit gain plus de 660 millions de dollars qui gagoté pendant le premier ministre dans 4.2 milliards de dollars. Li reparti de men nan poche li la justice pa ka di long mot et puis ou est dossier so jeunesse al poko l'ouvri la justice getan rapide Bernard Saint-Ville getan prend résolution rapide et prend ordonnance rend ordonnance rapide qui exécuté le même jour Charmanio justice de mon pays honte à vous. Alors voilà, c'est actualité et ce maintenant et qui finit hier vendredi à tout ça et puis en nous ouais et l'autre point d'actualité à souterrain et politique là gagné et nous t'a cap dit pour ce maintenant un calme apparent et n'a pas au prince et gagner quelques activités qui fêtent entre certaines villes par exemple yo apprend nous sur route nationale numéro 1 gagner et petit passage et plusieurs unités de la police là t'ai fait intervention sur route là côté plusieurs barricades t'ai enlevé et que gagner petit passage mais Jamdou là son calme apparent puisque gagne plusieurs conférences qui organisées par des organisations de base politique de base que ce soit au Bel Air hier ou bien à Pétionville yo annoncé que y a pour reprendre pour la plus belle mobilisation hein, lundi et prochain. Donc nous pas sorti de l'auberge, situation hein, toujours été extrêmement compliqué. Nous t'a parlé de justice, on n'a pas oublié tout. Gars de monde par exemple, ils ont arrêté dans Léogane tant coup délégué de ville Patrick César qui ont transféré dans pénitencier national. Naturellement, pas un juge même si on t'a font
on t'a qu'a dit au taka et essayer joindre habeas corpus parce que avocat yo hier qui t'a intervenu dans l'émission Intersection t'es clairement dit que arrestation ça illégal yo mal fait mais cependant et pour même raison nous t'a dit tout à l'heure devant qui est yo pral faire tout tribunal fermé etc. et c'est raison ça que fait milice politique que Jovenel gagnant a pas arrêté moun et entré par bande par paquet dans prison parce que le connaît juge yo par là pour tendre au conseil aval mouri dans prison. Alors ça nous tout profiter voyez coup de chapeau bye et m'ta k'ap di tout avocat l'opposition hein qui 105 cop toujours mobilisé toujours disponible pour accompagner tout moun sa yo que voyez pourri dans prison. Et alors vraiment chapeau coup de chapeau pour nous-mêmes. Et puis parlant justement de justice, on nous souligné on t'a dit on fait que n'a dénoncé depuis semaine dernière là travail extraordinaire que le réseau national de défense des droits humains et la SOFA fait sous dit scandale ça qui doit interpeller tout être humain. Rapport sous mutinerie suivi du viol collectif des détenus à la prison civile des Gonaïves. Certainement organisation yo rend l'état responsable. Jean notable dit là li pas normal que pour prison garçon même côté avec prison fille c'est en écon mur séparé ou l'un l'autre li pas normal. Alors RNDDH et SOFA dénoncé justement rapporté que dans la nuit sorti 7 pour arriver 8 novembre 2019 les femmes ainsi que la mineure de 15 ans incarcérée à la prison civile des Gonaïves ont été violées. Il a même été rapporté au RNDDH et à la SOFA que certains détenus se sont battus pour savoir qui passerait avant les autres. Son bagage toute chaîne très saillie. Les attendez et question ça. Hein? Si les informations rapportées par la presse font état du viol de toutes les femmes qui se trouvaient sur les lieux de la détention, seuls 10 sont affirmés au RNDDH et à la SOFA avoir été effectivement victimes de viol collectif. Dans leur déclaration, 8 des victimes ont affirmé n'avoir pas pu identifier leur agresseur parce qu'elles étaient dans le noir. Elles témoignent qu'ils étaient plusieurs à commettre leur forfait sans pour autant pouvoir dire avec exactitude le nombre d'hommes qui les ont violés. De plus, 2 d'entre elles ont affirmé être tombées en syncope au moment de la mutinerie. Ils ont indisposé. C'est à leur réveil qu'elles se sont rendues compte qu'elles étaient nues. Pour sa part, la mineure de 15 ans a affirmé avoir été violée par 5 détenus. Mes amis, de qui pays n'a pas parlé? 2 détenus ont affirmé ne pas avoir été violées. L'une d'entre elles estime n'avoir pas été remarquée par les agresseurs parce qu'elle s'était cachée sous un matelas mouillé qui se trouvait dans la cellule. Les informations socio-juridiques relatives aux 10 femmes et filles victimes de viols collectifs peuvent être résumées comme suit. 7 d'entre elles sont en attente de jugement, 2 sont condamnées, une autre jugée, pas encore reçue le dispositif de son jugement, 4 d'entre elles sont mères de 2 enfants ou plus, 2 étaient commerçantes avant leur incarcération et une autre agricultrice. L'âge des victimes est réparti ainsi. Une des victimes est mineure, notez pas les délits. 4 sont âgées de 20 à 30 ans. 2 sont âgées de 43 ans. 2 sont âgées de plus de 50 ans. Une des victimes est âgée de 62 ans. Donc c'est moun sa yo que yo violé dans la prison civile des Gonaïves. Donc son bagage qui vraiment révoltant. Le lendemain, soit le 8 novembre 2019, le calme était revenu dans la prison. Des autorités judiciaires de la ville, savoir Maître Sérard Gazius,
commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance des Gonaïves, M. Staniel Régis, juge au tribunal de paix de la section nord des Gonaïves, ainsi que des autorités policières étaient présentes lors de la détention qui a été finalement ouverte. Il a été demandé à tous les détenus, femmes, de sortir des cellules dans leur, sans leurs effets personnels. Cette opération a permis de récupérer l'arme de l'agent Johnny Maurice qui a été arrachée de ses mains par le détenu Jean-Bertrand Espérandieu et de nombreux prisonniers en passant. Tout près des autorités présentes sur les lieux les ont informés que les femmes détenues ont été violées, eux-mêmes encore. Le juge Staniel Régis du tribunal de paix de la section nord des Gonaïves, requis pour la circonstance, en a profité pour dresser le procès verbal de constat. Par ailleurs, ce jour-là, le cadavre de Rodney Lamou a été inhumé par la mairie des Gonaïves à l'insu de ses parents. Aucune autopsie pour déterminer les circonstances de son décès n'a été réalisée. Ainsi, le 8 novembre 2019, au réveil, la prison civile des Gonaïves affichait un effectif de 328 détenus et Rodney Lamou ayant perdu la vie au moment de la mutinerie. Le 8 novembre 2019, les prisonniers, prisonnières ont été transférés comme suit 101 détenus, dont 11 femmes et une mineure, à la prison civile de Saint-Marc, 100 détenus dont un mineur à la prison civile de Mirambalais et 127 détenus à la prison civile de Hinche. Le 10 novembre 2019, l'organisation Health Troop, HTW et puis AHF, des organisations étrangères, a ausculté à la prison civile de Saint-Marc les 12 détenus des Gonaïves, puis les ont mis sous prophylaxie antirétrovirale. De plus, une délégation composée de plusieurs organisations de femmes, dont la plateforme Femmes organisée pour développer Antibonite, Plafoda, la SOFA et une représentante du ministère à la condition féminine et des droits des femmes, branche Antibonite, ont également apporter leur soutien en kit hygiénique, vêtements, sous-vêtements, couvertures, produits détergents et de l'eau traitée aux détenus victimes de viols collectifs. Donc, c'est comme ça. Alors, pour rapport, pour commentaires et recommandations de SOFA et RNDDH sous cause SILA, sous des RAMSA, le 7 novembre 2019, la prison civile des Gonaïves était dans l'incapacité de donner à manger aux détenus en raison du fait qu'il n'y avait ni gaz propane ni charbon de bois pour la cuisson de leurs aliments. C'est la circulation de cette information dans l'espace de la détention qui a constitué l'élément déclencheur de la mutinerie. Or, les données recueillies en octobre 2019 par le RNDDH relative aux ruptures de stock de nourriture dans les prisons ainsi que les pressentiments des responsables de prison qui avaient du mal à gérer l'espace carcéral en raison de leur incapacité à fournir aux détenus une nourriture de qualité en quantité laissait présager l'aggravation de la situation. Ainsi, le RNDDH et la SOVA estiment que la mutinerie enregistré à la prison civile des Gonaïves était à prévoir et aurait pu certainement être évité. Le RNDDH et la SOFA déplorent que les autorités pénitentiaires aient préféré nier la réalité au lieu de tout mettre en œuvre en vue de réapprovisionner les prisons en stock de nourriture, en gaz propane, en médicaments et en kit hygiénique. Cependant, les faits glaçants qui se sont produits à la prison civile des Gonaïves où les femmes ainsi que la fille mineure ont été abandonnées en pâture aux détenus pour être violées à tour de rôle révèlent l'échec des autorités étatiques face à leur responsabilité d'assurer la sécurité des détenus. Il s'agit donc d'un cas flagrant de non-assistance à personne en danger. En ce sens, le RNDDH et la SOFA rappellent que les règlements internes des établissements pénitentiaires font du chef de l'établissement
le responsable de la sécurité de la prison qu'il dirige. En effet, l'article 138 précise « Le chef d'établissement doit s'attacher à la mise en place du meilleur dispositif possible permettant d'assurer au sein de l'établissement la sécurité des personnes et la sécurité publique. Il est directement responsable en la matière du respect des procédures réglementaires telles que définies. Il rend immédiatement compte à la direction de l'administration pénitentiaire de toute difficulté survenant à ce sujet via le coordonnateur de zone. De même, l'article 139 prévoit que la sécurité pénitentiaire vise à empêcher les violences contre les personnes détenues de personnes, les comportements suicidaires, les mouvements concernés de refus d'obéissance, les mutineries et émeutes, les évasions, les dégradations des biens de l'État et des personnes. Le RNDDH et la SOFA soulignent à l'attention de tous et de toutes que le viol en prison ou toute autre forme de violence sexuelle perpétrée par le personnel pénitentiaire ou par les détenus constitue une forme de torture à l'encontre des victimes, car il est de la pleine responsabilité des autorités étatiques d'assurer la sécurité des détenus ainsi que leur protection. Elles doivent aussi s'assurer de la compatibilité de la privation de liberté des détenus avec le respect de la dignité humaine. Le RNDDH et la SOFA rappellent que ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'il exige des autorités étatiques la construction de bâtiments distincts pour les femmes et les filles que la séparation des femmes et des filles. En effet, depuis les années 2000, le RNDDH et les organisations féministes interpelle les autorités sur le fait que les établissements pénitentiaires ne peuvent en aucun cas constituer des zones de non-droit pour les femmes détenues. Ces organisations mènent de manière constante les actions de plaidoyer pour le respect des femmes et des filles emprisonnées dans le but, entre autres, d'attirer l'attention des autorités étatiques sur les dangers que représente la garde des personnes de sexe différent dans un même espace. Il ne fait aucun doute que si les autorités, écrit le RNDDH, si les autorités avaient respecté le principe de la séparation des personnes détenues selon l'âge, le sexe et l'infraction, les femmes ainsi que la mineure de 15 ans détenue à la prison civile des Gonaïves n'auraient pas été victimes de viols collectifs. Le RNDDH et la SOFA jugent inadmissible que les autorités pénitentiaires aient décidé de ne déployer que 2 agents formés à la garde des détenus dans une prison qui comptait 329 prisonniers-prisonnières et un agent pour chaque 164 détenus, tout en condamnant avec la dernière rigueur les viols perpétrés à la prison civile des Gonaïves. Le RNDDH et la SOFA estiment que tous les événements survenus à la dite prison découlent de l'irresponsabilité et de la négligence des autorités au plus haut niveau de l'État, et c'est la raison pour laquelle le RNDDH et la SOFA exigent des autorités étatiques des autorités étatiques qu'une série de mesures prend pour yo corriger situation si là et responsable d'AFTOU. La conduite d'une enquête scélère pour identifier tous les détenus impliqués dans ce dossier en vue de les sanctionner selon la loi. La prise en charge médicale, psychologique et sociale des détenus victimes de viols collectifs à la prison civile des Gonaïves. La construction des prisons distinctes devant accueillir exclusivement des femmes en conflit avec la loi. Le renouvellement de stocks de nourriture, de gaz propane, de médicaments, de kits hygiéniques et de produits de nettoyage dans toutes les prisons du pays.
Donc, nous avons parlé de viol ça qui vraiment révolté conscience en pile haïtien et en pile monde, en tout cas, monde qui croit que nous pas qu'on en société qui construit dans condition qu'a bâti dans condition si là yo. Et puis l'autre fait dans actualité département d'État en fait administration américaine de Donald Trump est envoyé en Haïti ils ont représentante madame Kraft qui c'est ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, mais plus que ça, les membres du Conseil de sécurité aux États-Unis, donc c'est 11 amis personnels de président Donald Trump. Marie-Lise te joue un rôle très influent, très important dans la campagne de Donald Trump, donc c'est presque tout naturellement que mamzelle vient très très influent auprès de président américain. Donc, il était venu en Haïti, il était rencontré d'abord président Jovenel Moïse avec l'opposition plurielle qui était gagné sénateur Youri La Tortue et sénateur Evalier Beauplan qui était représenté secteur démocratique là alternative là. T'es gagné tout Edmond Supplice Bozil, qui représentait Fusion et en même temps tout. Marché contré, t'es gagné, notamment Liné Balthazar pour PHTK, t'es gagné tout. Pachavob pour Famille Lavala, t'es gagné sénateur. Sénateur Joseph Lambert, t'es rencontré le tout. Donc, tout le monde, et puis, pour le secteur privé des affaires, Bernard Crane, que vous dites que t'es fait, et bon, tout le monde était à la hauteur selon ça, qui t'es parlé, Joseph Lambert t'es rencontré le tout, j'en ai dit là, et l'opposition qui t'est rendu compte de rencontre là à la presse t'est exprimé satisfaction, yo. Parce que vous dites à aucun moment dans la rencontre ça, Mme Kraft pas de forcé yo, pour yo te ni rencontrer président Jovenel Moïse, ni à le gouvernement de n'aucune cohabitation avec elle, bien que nous connaissons ça toujours dans tête les États-Unis, qui c'est seul principal support Jovenel Moïse qui fait le sous-pouvoir en Haïti toujours. D'ailleurs, un article dans un journal français qui parlait de ça, Jovenel Moïse, seul soutien li, c'est américain et c'est eux-mêmes qui gagnent sous pouvoir toujours. Plusieurs monde qui étaient intervenus, notamment sénateur La Tortue, qui étaient font compte rendu succinct, détaillé de rencontre là, qui étaient rapporté propos presque tout le monde, qui était correct selon lui-même, et lui dit qu'il te remet un document, puisque le connaît pendant rencontre ça, pas t'as jamais assez de temps pour te dire tout bagaille, il te remet un document, diplomate là pour te saisir toute subtilité crise là, montrer tout scandale que Jovenel impliquait là-dedans et au dit son bagage immoral que les États-Unis continuent à supporter, le soutenir. Alors madame Nanté dit lui-même c'est le peuple haïtien que États-Unis supportait, c'est la démocratie. Donc il pas supporter qu'un monde qu'un pouvoir qu'un rien. Donc, merci, Maître Danton, qui rappelait que c'est suppléant juge de paix Cité Soleil, là, et non le titulaire qui était à exécuter ordonnance Champouel doyen, Monsieur Vertu, ayant refusé toute demande de référé en faveur de Sogener, S.A., menaçant même de jeter brutalement en prison quiconque persistant d'exiger référé. Le suppléant n'a même pas daigné informer son titulaire, juge l'évêque de l'opération. Il n'a même dit juge titulaire là qu'il a dans l'opération. Donc, sur l'opération Champouel, c'est la justice qui a mis au service et
de pouvoir politique là pour y agir, y pas quitter différents traités devant tribunaux pour connaître qui est-ce qui gagne raison, qui est-ce qui gagne tort, mais Jovenel Moïse exigeait et Jovenel Moïse joint. Et dans le cas ça à mettre dans ton, n'a pas songé non rencontre commission Mornay dernière commission président Jovenel Moïse fait avec ambassadrice américaine non les ambassadrices là t'a demandé et représentant pouvoir, mais pour qui ça pas gagné que fait dans cas la saline, eh ben ou qu'on ça représentant pouvoir dit il dit bon ou qu'on que la justice est indépendante la page, président Jovenel Moïse pas rien pour l'entrer pour le connaître ça qui a passé, donc c'est ça que fait la saline pas jamais qu'on grand avec fait. Maintenant cas ça il oublié si la justice indépendante c'est Jovenel Moïse viré tout les élites prend cabinet et c'est ça que fait mettre février intelligent que lié qui connaît la loi. Il était parlé avant hier, il dit il était exigé qu'il te gon papier DGI avec l'autre entité l'état yo, c'est yo même qui gagne responsabilité pour engager l'état parce qu'il connaît Jovenel Moïse pas qu'à engager l'état devant les tribunaux et il dit il était exigé tout que directeur DGI a accompagné dans parquet, c'est pour ouais que ça veut dire c'est conscient li conscient que Jean-Jovenel Moïse embrasse dossier a l'a fait li fait l'état substituer à tête li servi avec justice pour persécuter opposant politique li, donc son bagay qui scandaleux Jean Danton Léger nous dénoncé li. Alors oui, pour nous tourner en visite madame Kraft là, donc c'est comme ça ça passé monsieur expliqué tout désordre que pouvoir faire et que le tape immoral pour le taval chita avec un pouvoir comme ça. Donc, visite là, t'es fini et comme ça. Et madame Nan Pati, que l'a informé Washington de Bagayo et pendant toute rencontre là, tant que j'en ai insisté avec invité nous sous question, hein, et madame Simpson. Madame Simpson, qui est accusé, qui vraiment ta cousin, même PHTKiste, eh ben, l'été gain mini et crasé. Et là, a dit tout bagay ça, on dirait que Washington pas de gain toute information, si là, nous dit, on dirait, parce que dame nan, gain doit choisir, pour le rapporter, ça le vle, deux Américains, ça, en Haïti, mon cher, c'est yo cautionné, tout des autres pouvoirs, et Jovenel Moïse là n'a parlé de madame Simpson ambassadrice des États-Unis avec madame Lalim et qui non Nations Unies et Bob nous pas qu'à répondre nous puisque on aime dans micro Bob n'a pas nous n'est pas nous pas qu'à répondre téléphone oui alors et va pour ta femme ça n'est pas on aime pas qu'à répondre oui. Alors donc c'est comme ça et situation passée et nan rencontre si là nous pas connaît si c'est à bon escient, mais il se trouve que l'opposition te réjouio de gens ça te passé nan rencontre si là et qui t'est déroulé et avec représentant la grande opposition nan et cap bataille pour capoter pouvoir Jovenel Moïse là. Et puis un texte comme toujours très intéressant que nous lis pour dans ce maintenant est publié au journal Le Nouvelliste de Antoine Lionel Trouillot, dire Jovenel à Moïse, vous avez contre vous des accusations de corruption et de crimes de sang. Vous n'avez aucune réussite réelle dont vous pourriez vous prévaloir. Des bananes qu'on n'a jamais vues, un titre d'ingénieur auto-attribué, une gestion catastrophique des affaires de l'État, vous n'avez fait la preuve d'aucun mérite. On a vu des dirigeants politiques ayant des bilans partis positifs, forcés de quitter le pouvoir par des révoltes populaires. Vous qui n'avez rien fait, rien prouvé, pourquoi avec un tel bilan et un tel profil
Vous accrochez-vous au pouvoir. Vous êtes la risée de tous, enfants, adultes, croyants, athées, menuisiers, étudiants. Vos prises de parole sont d'un tragi-comique qui fait à la fois rire et pleurer. Vous avez perdu toute autorité morale. Si votre intention est de profiter encore des avantages de votre fonction, vous ne pourrez même plus utiliser les biens de l'État à des fins d'enrichissement personnel. Vous êtes désormais sous haute surveillance. Vous ne pouvez sérieusement croire que vous pouvez diriger quoi que ce soit. Vous êtes un président que personne ne considérera jamais plus comme un président. L'image qu'on a de vous est celle d'un joujou, un joujou la comédie et Zabel Bok Beracha. Pourquoi vous accrocher au pouvoir et entrer dans l'éternité avec une telle image? Vous avez menti aux institutions, au peuple, pour citer le parler populaire. Des millions de citoyens haïtiens sont convaincus que votre bonjour n'est pas la vérité. Dans certaines familles, dans certains groupes d'amis, quand un enfant ou un camarade ment trop souvent, on lui donne votre prénom, Jovenel. C'est triste. Pourquoi vous accrochez au pouvoir jusqu'à faire de votre nom un nom commun de personne mentant aux autres et à lui-même? Plus sérieusement, il y a plus d'un an que des milliers de citoyens réclament votre départ. Ce n'est pas l'opposition qui demande votre départ, c'est le pays. Le pays a décidé qu'il ne veut plus de vous. Combien de temps toutes les activités doivent-elles être paralysées? À combien de sacrifices le peuple doit-il encore consentir? Aujourd'hui, il ne vous reste que les armes pour vous opposer à la décision du pays. Combien doivent mourir pour que vous restiez au pouvoir? Combien seriez-vous prêt à tuer ou regarder mourir pour rester au pouvoir? Les services que vous avez rendus à la nation, ceux que vous lui rendiez si vous restiez au pouvoir, valent-ils toutes ces morts? Et voilà qu'aujourd'hui, en notre nom, au nom du pays, du peuple sur qui vos partisans tirent à volonté, vous tendez une main de mendiant pour appeler le secours d'une aide humanitaire. On ne vous en demande pas tant, Monsieur le Président, qui n'aurait plus jamais l'autorité ni l'aura d'un président. Ne poussez pas l'indignité après n'avoir pas su exercer votre travail de chef d'État à vous présenter en chef d'un peuple de mendiants. Monsieur le Président, pour nous, pour vous, vos proches, et pour ne pas vous installer dans les mémoires comme assassin de votre peuple, respectez la décision des Haïtiens. Seul un bel au revoir mettra une note positive à votre passage au pouvoir. Pardonnez-moi la sincérité du ton, mais il faut parfois parler clair et dire les choses comme elles sont. Ce n'était pas à moi de le faire, mais à vos proches, vos amis et vos conseillers. Peut-être n'en avez-vous pas, ou plus des amis et des conseillers. Ou peut-être sont-ils persuadés, vous connaissant mieux que moi, que vous êtes incapable d'entendre raison. Antoine Lionel Trouillot, qui m'a dit, président, s'il vous plaît, ou pas besoin, pousser dérision un pi loin que côté déjà arrivé à, parce que où c'est pratiquement la risée du monde et pas de monde qui considéré ou comme président ou là c'est un coup et un coup claque parent et te dit c'est président et courrier. Alors, et gagnant sénateur du Montou
qui fait un message, une déclaration côté le dit l'aime considéré après goudou 12 janvier 2010 là gain plusieurs tremblements de terre politiques qui passaient sous pays là. Aide Goudou-Goudoua dans CIRH, 1,394 milliard $. Petro-Caribé, 4,200 milliard $. Plus Degui, 12 millions $ perdiem dans touriste politique président Agzamil. Caravane, plus que $123 millions. Demalog, $27 millions. PIA et franchise, $200 milliards sous 10 dernières années. Loué hélicoptère, loué faux machine qui coûtait l'État presque $10 millions dans une année. Pillage dans Palma, pillage dans Ona, avec toute l'autre entreprise autonome qui t'a dû rapporter l'État $20 milliards chaque année, alors que c'est 594 millions seulement gouvernement te mette dans budget criminel là, yo matérisé Haïti. L'homme considéré tremblement de terre, faux dialogue, révocation séant qui tape mené processus là, faux titre, ingénieur, 7 mercenaires, soldat américain, Jacques-Yves Durozo, insensibilité devant misère, gang armé fait Mikalao, yo matérisé Haïti. L'homme considéré tremblement de terre Jovenel Moïse la touye en pile moun dans la saline, Kafoufeuille, Belè et la trier, et puis li ravage pays économiquement, socialement, politiquement, même spirituellement, plus que goudou, mais nous pas là non plus pendant n'a retiré des com pour n'a craser caille qui pas même fissuré côté au lieu nous li men flash qui permettent ouais puis bien ces flammes di fe nous li men yo matérisé Haïti pour toute raison ça yo moins déclaré mes amis nous matérisé pays à trop autant pas gain perdu temps passerelle al rencontrer Jovenel Moïse pour nous ordonner démission. Opposition qui n'a la ria, pas baille Jovenel Moïse prétexte pour le craser pays à plus toujours. C'est devoir nous pour nous joindre l'autre stratégie. Et puis, gang yo, profitez manifestation pour envahir 5,50 m société. Nega gros âme, qui par la police, a mette vie peuple là en danger dans propre salon. Moi déclaré tout, pour spécialiste finance publique à l'autre spécialiste calculer combien l'argent n'a besoin pour nous réparer pays et spécialiste relations internationales yo nécessaire n'a préparer l'autre deal avec pays corps groupe yo surtout États-Unis même gens dans sécurité faut nous fini avec affaire gang ça des pour travail faut toucher. Mais travail dans l'État, pas vle dit déchet piller l'État. Signer un contrat avec l'État, pas vle dit couper poche l'État. On créé job pour jeunesse là. On réparé tout secteur subi. Déclaration patrimoine là obligatoire. Li pas possible pour nèg ici besoin 4 lons toile pour faire poche yo, pantalon yo. Parce que faut yo mettre en pile comme la dan. Peuple là fait trop sacrifice pour pas gain résultat. Dans sens ça, on songe parole Frédéric Marcelin hein? Sinon qui 600 qui verser pas fait bel jardin pousser sans ça c'est un cancer l'aptouné dans corps pays a Port-au-Prince 22 novembre 2019 sénateur Patrice Dumont en clair qui dit nous va continuer encore bagayo rive trop loin c'est pour passerelle li bay passerelle la en mission
pour y aller rencontrer Jovenel Moïse, pressé pour y ordonner départ citoyen si là. C'est parole et Patrice Dumont dans Texas que l'Iran public hier soir et non. Oui, alors c'est un petit peu ça l'actualité et de la semaine et faut nous dire que policiers ont marché vers syndicats et gagné un débat sous question ça matin n'a pas mettel et n'a pas mettel et non sujet et pour nous débattre avec quelques interventions sous question si là. Et puis nous ouais sénateur sénatus président commission justice et sécurité publique avec vice-président Jean-Marie Junior Salomon qui écrit président Sénat pour le dire que au besoin rencontrer et au état-major CSPN la police là avec un bande l'autre et autorité et autour de on série de scandales qui a passé non et la police là des désordres qui a fait arrestation et n'importe qui genre bastonnade militant politique avec un bande l'autre sujet encore que yo souhaité aborder avec et autorité en dedans et PNH là. Voilà, t'as cap dit en gros c'est soit et puis nous pas oublier que gagne une série de organisations qui écrit et l'international dans même domaine droit monde et un coup secrétaire exécutif commission interaméricaine des droits de l'homme CIDH et Paolo Abrao pour demander au fond visite en Haïti devant bande des autres cap parler organisateur et monde qui mandait bah ça c'est les organisations haïtiennes de défense des droits humains et de la société civile qui dit ont attiré attention commission sur les violations graves et systématiques de droits humains commises en Haïti depuis l'accélération de la crise socio-politique les 6, 7 et 8 juillet, une conjoncture aujourd'hui qui est très préoccupante et qui exige une intervention urgente des instances internationales afin de juguler ces violations dans l'idée d'installer et le plus vite que possible, un climat de sérénité où les droits humains et les libertés fondamentales seront garantis au sein de la Convention américaine relative aux droits de l'homme, des principaux instruments internationaux et des principes généraux de droit. Aujourd'hui, les droits sociaux, économiques, civils et politiques sont systématiquement violés par les autorités étatiques. Selon l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, environ 56% de la population vit dans une situation d'extrême pauvreté avec moins de 50 centimes américains par jour. De plus, les systèmes de santé et d'éducation ne fonctionnent pas. Il n'existe aucun encadrement social pour les personnes les plus défavorisées. Le taux d'inflation aussi en 19,5 et 20%, ce qui amenuise le pouvoir d'achat de la population haïtienne. Les différentes promesses faites par les autorités étatiques sont restées lettres mortes. Au contraire, ces dernières gaspillent systématiquement les maigres ressources de l'État dans l'octroi d'avantages sociaux exorbitants, la séparation des portefeuilles ministériels, la distribution d'argent aux parlementaires proches du gouvernement, l'instauration de programmes bidons appauvrissant encore plus la population, une corruption systémique gangrène les différentes structures étatiques et le président Jovenel Moïse ainsi que plusieurs membres de son entourage sont indexés dans le scandale de corruption.
le mieux organisé et jamais enregistré en Haïti, la dilapidation des fonds Petro-Caribe. Cette situation pour le moins alarmante donne lieu depuis juillet 2018 à un mouvement de protestation caractérisé par l'organisation de manifestations antigouvernementales partout dans le pays et une opération de paralysie totale des activités socio-économiques dans l'objectif de porter l'équipe actuellement au pouvoir à démissionner et à se mettre à la disposition de la justice. Depuis, les actes de violation systématique des droits de la vie à l'intégrité physique et psychique de la population sont recensés par les organisations qui sollicitent la visite in loco. Les exemples qui vont suivre illustrer les faits relatés dans différents rapports élaborés et publiés par les organisations susmentionnées. Manifestation du 17 octobre 2018, facteur déclencheur de la répression et des violations des droits humains. Les 6 et 7 juillet et les 6, 7 et 8 juillet à l'annonce du gouvernement d'augmenter le coût des produits pétroliers, la population s'est lancé dans une série de mobilisations pour dénoncer le mépris du gouvernement envers la détérioration exponentielle de ses conditions de vie. Le 17 octobre 2018, et date marquant le 212e anniversaire de la mort de Jean-Jacques Dessalines, père fondateur de la patrie, des centaines de milliers de citoyens ont gagné les rues et ont dénoncé l'implication du président dans des actes de corruption depuis lors. Dans l'objectif de stopper la mobilisation populaire, le pouvoir a orchestré une série de massacres, notamment à la Saline. La Saline y a reproché parce que y a le campé du président Pont Rouge 17 octobre. Que yo pavle l'vin souye mémoire en cette yo, yo fait yo lancé une opération punitive à la Saline contre toute rebelle sa yo. Et à Delma 2, à Delma 6, à Carrefour-Feuille et à Bel Air, des quartiers défavorisés de Port-au-Prince, massacre à la Saline du 1er au 14 novembre 2018. Du 1er au 14 novembre 2018, le quartier Projet La Saline et ses environs ont été le théâtre d'attaques sanglantes perpétrées par un groupe armé, donc sans pile bagarre, répression des manifestations antigouvernementales. Les manifestations ont été systématiquement réprimées par les autorités. Le bilan des personnes tuées est très lourd. De juillet 2018 à septembre 2019, au moins 169 décès, dont 107 par balle, des centaines de blessés et quelques disparus ont été recensés. En voici quelques exemples. Le 18 novembre 2018, au moins 6 morts d'une balle à la tête ont été enregistrés. L'unité de sécurité du Palais national impliquée dans la gestion des manifestations, contrairement à sa mission, était l'auteur de plusieurs cas de tuerie. Nous sommes pile exemple que certainement nous pas guettant pour nous souligner que tout organisation relevée et que vous voyez, la Commission interaméricaine des droits de l'homme pour justifier nécessité que vous devez faire une visite pressée en Haïti. Donc c'est toute organisation ça yo qui dit yo sollicité diligence et CIDH pour une visite en Haïti et l'adoption de toute autre mesure urgente relevant de la compétence de la commission conformément à l'article 41 de la Convention américaine des droits humains. Moun ki signé a organisé ce centre d'analyse et de recherche en droit de l'homme CADE, le Centre de recherche et de formation économique et sociale pour le développement CRESFED, Conseil haïtien des acteurs non étatiques CONAN, NOUPAP DOMI, Programme alternatif de justice PAGE, Réseau national de défense des droits humains RNDDH, Centre Carl Lévesque SKL, Solidarité Femmes haïtiennes SOFA. Donc c'est tout le monde qui ça yo qui signe note si là que nous voyez non et puis pas oublier cap haïtien
cap haïtien inondé son spectacle, n'a gardé de l'eau dans mitan ville là qui dépassait genou moun yo. Et puis tout dans grand danse notable d'île dans grand danse gagne un gros alerte urgence, c'est commune Corail qui inondé à partir la pluie qui tombée sous département depuis quelques jours. Magistrat Alex Maxia et dit gan pile moun ki sinistré, pa gen manje, pa gen rad, pa gen de l'eau et nan ville là. Donc c'est tout ça kap question ramassé kap pral débat nan émission ramassé matin an. Pa blye nou parler de Pion journal français qui dit vrai. Li di président Jovenel Moïse sous pouvoir en Haïti toujours seulement à cause de soutien américain. Il va même dire qu'au groupe, il va même dire l'autre, il dit c'est États-Unis qui gagnent là toujours et il y a vraiment pas ouais ça l'a réglé dans le pays. Voilà, et nous souhaiter tout auditeur auditrice émission intersection bonne écoute, invité au commencer river nous demander l'autre pour faire diligence.